Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la découverte du pack chien et chat. Et cette fois, on va s'attarder un petit peu plus sur la famille que j'ai créée de deux membres, où je vais vous montrer les nouvelles coiffures et les nouvelles tenues. C'est parti! Alors, on commence d'abord avec les coiffures. Donc je vais trier directement chien et chat, et vous voyez toutes ces nouvelles coiffures pour femmes. Alors on a celle-ci, où c'est une queue de cheval avec une tresse à l'arrière que je trouve vraiment très très sympa. Celle-ci, que j'aime, voilà, qui était plutôt simple. Celle avec le petit nœud, je vous avoue que j'aime beaucoup. Celle avec les cheveux très frisés comme ça aussi, ça me fait penser à la femme Claire dans la série Outlander. Les nœuds, vous avez différentes sortes, différentes couleurs, vous pouvez changer. Il y a des coiffures aussi plus courtes, un petit peu plus originales. Bon, je vous avoue que je suis un peu moins fan, mais ça change un petit peu. Celle-ci, j'aime beaucoup. En deux couleurs comme ça, c'est très sympa. Et en noir et blanc, j'adore. Je vous avoue que pour les autres couleurs, je suis un peu moins fan, mais la noir et blanc, je suis totalement fan. Et pour la fille du Joker, le vert, ça pourrait être pas mal. On a aussi cette coupe-là, qui est juste adorable, avec des petites oreilles de chat. Moi qui adore les serre-têtes oreilles de chat, je trouve ça dommage que le serre-tête soit pas à part et qu'on puisse pas le mettre sur toutes les coiffures tellement il est beaucoup trop mignon. Après on a cette coiffure là aussi qui est très sympa, toujours dans les tons frisés. Et puis une coupe avec voilà, les mèches un petit peu plus courtes derrière et plus longues devant. Mignonne aussi avec une frange. Le tie and dye, très sympa aussi. Ça change un petit peu d'en avoir que sur les CC, avec différentes couleurs. J'ai beaucoup hésité avec cette coiffure parce que c'était une de mes préférées. Il y a deux nouveaux colliers, un collier avec un petit chat et un collier avec un petit chien, qui sont juste très mignons. Vous verrez pourquoi ensuite. Si vous êtes vraiment voilà, un fou des chats ou un fou des chiens, vous avez ce collier qui ira parfaitement bien avec votre Sims. Au niveau de la coupe, je vous avoue que j'ai vraiment un coup de cœur pour celle-ci. Je crois que j'avais jamais encore fait de Sims qui était vraiment brune aux yeux bleus. Je me suis dit qu'aujourd'hui, ça pourrait être l'occasion de changer un petit peu mes habitudes. J'avais envie de lui donner un petit côté sombre, donc j'ai choisi un maquillage assez noir avec un rouge à lèvres sombre. Ensuite, je vais passer à la tenue et on va regarder un petit peu ce que nous avons dans les nouvelles tenues chien et chat. Vu ce petit collier, je me doute qu'il va y avoir des choses très très mignonnes et très kawaii. On a des petits manteaux, des vestes. Celui-ci est sympa, je pense que c'est un loup. Celui-là est juste adorable, je pense que pour Noël ce sera parfait. Vous avez des hauts aussi un petit peu plus courts. Vous pouvez vraiment choisir en fonction si vous êtes plutôt un amoureux des chiens ou un amoureux des chats. Vous avez également la tenue vétérinaire. Donc là vous voyez, autant vous avez un petit chien ou un petit chat au choix avec différentes couleurs et des petits nœuds. Ça fait un petit peu mamie gâteau, hein. Mais là elle avait plus du tout l'air sombre. Ici c'est pareil, vous avez au choix des petits chats ou des petits chiens. Au niveau des bas, vous avez des shorts assez longs, des jupes. C'est presque des tenues un petit peu d'automne, je dirais. De nouvelles jupes et ensuite des bas. Alors j'aime beaucoup cette petite jupe marron. Le short est pas mal aussi pour une tenue d'automne. J'ai failli le prendre. J'aimais beaucoup le style. Au niveau des chaussures, vous avez une paire de bottines qui, pareil, fait très bien pour le mi-saison. Il y a également de nouveaux collants. Bon, alors là, ça non, ça c'est un collant d'Halloween. Il va falloir aller chercher. Petit collant avec des chats ou des chiens. C'était pas mon préféré. J'étais un peu déçue, j'aurais préféré un collant ou un leggings avec des petites pattes sans avoir les têtes des chiens et des chats parce qu'après je trouve que ça fait un petit peu trop avec le haut. Je préférais choisir quelque chose de classique. Ensuite, nous passons à la deuxième tenue. Et là, il n'y a qu'une robe. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçue, moi qui adore les robes. Elle est mignonne et je trouve qu'elle serait très bien allée à notre Claire Fraser. Au niveau des chaussures, j'ai choisi les petites chaussures avec les têtes de chat. Pour garder toujours le petit côté amoureuse des animaux. Je lui ai mis aussi une petite paire de collants. Je me dis qu'on est quand même en automne et qu'elle pourrait avoir froid. Au niveau de la tenue de sport.
Alors la casquette, je vous avoue que j'étais pas spécialement fan, donc j'ai préféré lui enlever. Nous n'avons pas de nouveau chapeau. Et au niveau de la tenue de sport, alors celle-ci me fait étrangement penser à Cendrillon. Celle-ci très mignonne aussi. Ce sont plutôt des robes de tous les jours. Mais rien qui ne fasse 100% sport. Et là, j'ai trouvé ce pull de Chacha Minou. Totalement adorable. Je trouve ça juste dommage qu'on voit pas les cheveux en dessous. Mais j'ai vraiment craqué quand je l'ai vu et je me suis dit qu'il fallait absolument que je lui mette. Donc je suis partie sur une tenue basique de sport avec ce petit haut Chacha Minou qui lui va vraiment super bien. Avec, j'ai choisi de mettre un pantacourt et une paire de baskets. Un petit peu dans les chocolats marron. J'ai également enlevé son rouge à lèvres parce que je trouve qu'il n'était pas vraiment d'occasion. On fait du sport quand même. J'ai mis quelque chose de plus naturel. On passe à la nuit. Et j'ai trouvé que cette tenue lui allait divinement bien. Pour la nuit, je me suis dit que ça devait être... C'était plus sympa qu'elle s'attache les cheveux. Et je sais pas si vous avez vu sur le bandeau, il y a des petits os qui sont vraiment adorables. Et au niveau de la couleur, ça correspond parfaitement bien à cette longue chemise de nuit. On passe ensuite à l'avant-dernière tenue, une tenue de fête. Et là, je vous avoue que je ne sais vraiment pas quoi lui mettre. Parce que dans les tenues chien et chat, nous n'avons pas vraiment longue robe classe. Donc je décide de lui mettre une robe d'un autre pack, tant pis. Mais qui lui va divinement bien. Je passe ensuite au maillot de bain et à la dernière tenue, avec un maillot de bain plutôt classique, noir. Et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'il y a une nouvelle attribution, c'est-à-dire que vous pouvez aimer les chiens et les chats, et ensuite... être totalement in love des chiens ou in love des chats. Forcément, comme c'était tout nouveau, j'ai décidé de les tester. Et donc j'ai mis les deux, voilà. Elle aime les animaux et elle a le cat lover et le dog lover en plus. Je pense que je les mettrai dans beaucoup de mes futurs Sims. Et mademoiselle s'appelle Selena. Selena Martinez. Une vraie amoureuse des animaux. J'ai décidé ensuite de lui créer un garçon après avoir créé toute une famille d'animaux que vous pouvez retrouver dans une autre de mes vidéos. J'ai longtemps hésité et finalement j'ai choisi par lui faire un garçon. Un adolescent plus précisément. Nous allons regarder sa garde-robe de plus près. Et notre adolescent s'appelle... Flynn. Oui, j'ai pensé à Flynn Rider dans le film de réponse, je vous avoue. Flynn aime lui aussi énormément les animaux, mais plus précisément, les chats. Il a un style bien à lui. Voilà un petit peu toutes les tenues qui me sont proposées. Et je vais choisir ce t-shirt avec cette petite veste à manches courtes. Toujours quelques pantacourts, même pour les garçons. Vous avez le short qui est assorti aussi à celui de la femme avec les rayures. Au niveau des chaussures, je suis restée très classique. Je lui ai mis une paire de Converse. Quelques muscles aussi. Comme sa maman, c'est un beau brun aux yeux bleus. Et vous voyez qu'il y a deux nouvelles coiffures, dont celle aussi assez kawaii de Chacha Minou. Des coiffures plus courtes, un petit peu plus sophistiquées. Des coiffures également queue de cheval. Et forcément, vu les cheveux de sa maman et vu toutes les frisures qu'il a, j'ai choisi cette coiffure qui pour moi lui correspond le mieux. Et que je trouve vraiment très mignonne. Ça devait être la mode des manches retroussées parce que je trouve que dans ce pack nous avons beaucoup de manches retroussées. Ça fait un petit peu BCBG. On a l'impression que c'est une veste... un petit peu chic. Je décide de l'habiller assez classe du coup. Je trouve que cette veste et la petite mèche sur le côté lui vont terriblement bien. Pour le sport, je reste sur quelque chose d'assez classique. Avec un t-shirt et une petite poche. Ainsi qu'un short de sport assez basique. En ce qui concerne la nuit, je le mets torse nu, avec mon petit caleçon à cœur préféré. Oui, il n'avait pas beaucoup de fesses.
et de magnifiques chaussons lapin. Qu'il est mignon. Pour la tenue de fête, je trouve qu'il ressemble étrangement à un golfeur. Je trouve ça assez rigolo. Vous voyez en bas, il y a un pull qui est assez sympa aussi, en deux couleurs, même trois couleurs. Je lui ai remis un petit peu de couleur. Et enfin, le maillot de bain. Là aussi, je suis restée très classique. Rien de folichon, on va pas tous les jours à la piscine. Et je valide notre petite famille avec petit chaton. Et voilà, notre maman et son adolescent qui vont vivre dans la même maison avec deux chiens, un chat et un petit renard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Moi, j'ai vraiment hâte que cette extension sorte. Normalement, je devrais l'avoir un petit peu en avance. Donc, on pourra regarder tout ça ensemble. En tout cas, j'ai vraiment très, très, très hâte. Ça a l'air d'être fabuleux. J'adore les nouvelles tenues. J'adore les nouvelles coiffures. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! I could stay like this, forever following.